Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez LM Fab Test. Aujourd'hui, je vais faire une présentation 3 minutes chrono, comme vous avez l'habitude de suivre. Mais cette fois-ci, je vais me concentrer sur une imprimante dentaire DFAB de la marque DWS. Nous avons déjà parlé de cette machine sur nos réseaux, comme Nipodink, mais aussi sur notre newsletter. Mais je souhaitais absolument vous la présenter et c'est ce que nous allons faire tout de suite. DFAB est une machine SLA spécifiquement dédiée pour les cabinets dentaires. Elle est capable d'imprimer des prothèses définitives avec des gradients de couleur et cela en moins de 20 minutes. Nous allons maintenant préparer notre machine pour l'impression. Pour cela, nous allons retrouver des cartouches d'encre. Donc ces cartouches d'encre sont disponibles en plusieurs tailles. Ici, nous sommes sur une small qui va nous permettre de faire 1 à 2 éléments. Nous pouvons faire au maximum 4 à 5 éléments selon la taille. Nous allons retrouver également son plateau d'impression qui se compose de deux parties qui vous suffit d'assembler l'un avec l'autre. À ce stade, le client va venir ouvrir sa machine et charger les éléments que je viens de vous présenter. Premièrement, la cartouche. Il va venir se pousser. On va venir récupérer le plateau d'impression et le mettre en position. On va fixer également et refermer la machine. Vous l'avez vu, l'avantage de cette machine, c'est qu'il n'y a zéro maintenance et que la préparation pour l'impression est rapide et efficace. Maintenant que la machine est installée, je vais vous présenter les futures étapes réalisées sur le logiciel Nota Photoshape. Sur mon logiciel, je viens récupérer le fichier que je souhaite imprimer. Pour cela, je viens prendre un fichier STL. Dans mon exemple, il s'agira d'une couronne unitaire. J'analyse mon fichier et valide l'import. À ce moment-là, le logiciel me demande de vérifier s'il s'agit du bon fichier. Je vérifie et valide. Une auto-orientation se fait. Je peux tout de même vérifier si l'orientation me va. Si c'est le cas, je passe à l'étape suivante. La machine vous propose de pouvoir avoir une teinte et un gradient de couleur. C'est ici que tout va se jouer. Je choisis la couleur A1 jusqu'à A3,5 et décide de la hauteur de ce gradient. Une fois que tout est validé, je peux aussi descendre ma ligne du gradient pour avoir une teinte plus ou moins foncée. À ce stade, mon fichier est terminé et prêt à être imprimé. Tout est prêt, nous allons lancer l'impression et se retrouver dans 20 minutes. L'imprimante vient de finir son travail, il me suffit de venir ouvrir le capot et récupérer mon plateau d'impression. On y retrouve l'élément avec ses supports. Il ne me reste plus qu'à post-traiter les pièces. Je vous remercie de nous avoir suivis à la découverte de cette DWS DFAB. Pour toutes vos questions ou interrogations, vous pouvez nous joindre soit sur notre adresse mail, soit nous contacter par notre site web ou notre page LinkedIn. Bonne journée à tous. When it hits you, yeah.